Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir que nous rejoignons sur le channel pour nous tant de causer jeudi à nouveauté. En pile, information pour nous. Une pour cap dominer l'actualité, c'est concernant Moïse Jean-Charles, leader Petite Dessaline, dans gros difficulté. Pas oublier, leader ça, il a fait un voyage dans le pays Nigeria côté bien recevoir. Et bien, pendant qu'il a fait escale, dans le pays États-Unis, yo minotel, yo annulé visa là. Nous parlons nous toute information sous dossier ça, talé comme ça. Mais avant, par habitude, nous toujours prenons petit temps pour nous remercier nous toutes qui toujours gardé vidéo nous yo. Merci pour ça. Si c'est première fois ou tomber sur channel ça, pas négliger abonner parce que nous même temps de causer, nous fait effort pour nous capable bay information yo, Jean yo ya. C'est pour être ça ou gain le devoir pour abonner ensemble avec channel ça tant de causer mes amis on nous commencer avec information yo Moïse Jean-Charles yon moun ki en pile moun en Haïti apprécié comme un leader qui t'a honnête un leader qui t'a intègre eh bien monsieur ça nan gros difficulté pendant que nous a parlé ensemble avec nous là États-Unis après il t'ai fin fait un voyage nan pays Nigeria à côté yo t'ai recevoir vraiment bien. Et wa te parlance marel te honoré monsieur en quelque sorte yo te mette pancade comme yon leader qui c'est yon modèle. Eh bien jodi mardi 25 janvier 2022 ya, pendant que li a sorti Nigeria et la fait yon scale nan pays États-Unis eh bien yo ta minote monsieur yo annulé visa américain qui était gagné alors yo t'a supposé voyer en Haïti dans zone midi yo selon information que nous gagne mes amis cette situation Moïse Jean-Charles qui dans gros difficulté peut-être nous devons demander pour qui ça ça misé fait pour connait ya nous poko connait mais nous pral fouiller tout côté chercher tout contact nous une façon pour nous capable porter ban nous raison qui fait que yo minoté leader Petite Dessaline Moïse Jean-Charles et yo ta et annulé visa nous parle ban nous toute explication ça mais c'est dans une autre vidéo mais gen l'autre information encore sur dossier ça gen en pile information qui a circulé par exemple mais ça un confrère nous te dit concernant dossier ça dossier Moïse Jean-Charles là mais avant tout quittez un commentaire pour nous dis nous ça nous penser est-ce que yo ta doué fait un leader qui très populaire comme ça dans le pays d'Haïti bagay ça pour yo annuler visa et pour yo même mettre minot dans bral pour yo voyer pour y a voyer ban nous faut dire c'est un nèg qui fait un pile bagay drôle ou bien faut dire c'est un nèg qui t'a dans vendre drogue tout ça quittez un commentaire pour nous dire nous ça nous penser. En attendant, bon faire nous tendre comment que un journaliste, un confrère nous tape réagir sur ça et comment peuple a réagi sur ça. L'après nouvelle la fin tombée côté que américain t'a humilié nous t'es capable de dire Moïse Jean-Charles en nous suivre. Pide, il me parle Miami avec Jacques Cassayol. Est-ce que Jean-Charles Moïse t'a en difficulté? Jacques Cassayol sur ligne. Nous connaissons que méga sur tout côté sauté dans le monde entier. Gain information cap circuler Miami. Jacques Cassayol, qui c'est G, Radio Mega, par les formes de Zalia. Allez, non. Bonjour. Et tout le monde qui a écouté Monsieur Alain, c'est correct, c'est confirmé que l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui sort en voyage quelque part dans la zone Qatar, d'après sa information, dit, accompagné par deux agents de custom, pas fait route normale, tout passager. Yo passé par en bas avec lui et yo ses premiers passagers yo fait monter avion yo passé la passerelle par rapport à côté mon habitué passer c'est pas là le passé il passe tout en bas net deux agents custom accompagné lui l'ichita siège et 15A à destination de Port-au-Prince American Airlines qui pourra le voler de quelques minutes d'ici peut-être 5 à 10 minutes le porte avion fermé même agent même monde qui relève qui bonne information après partie nous pas qu'on connaît exactement qui s'allie mais
Moi, qui a dit que, par exemple, le consulat d'Haïti était présent, mais il n'a pas accepté de parler avec personne. Parce que le consulat a été fait intervention pour le connaître exactement, puisque son citoyen haïtien lié et son ancien sénateur lié. Donc, c'est fort possible que peut-être il a un passeport diplomatique, bah, qu'on est, qui type de passeport que le gagne, parce que, ah ouais, passeport. Mais, consulat a été là, présent pour être intervenu en tant que citoyen, tu as besoin d'aide. Il n'y a pas quitté consulat ou en contact avec monsieur, il n'y a pas pris contact avec personne. Deux agents customs auraient été dans l'avion hein, jusqu'à ce que quand la passager commence à monter et quand l'avion n'a pas le fermé, il descend et nous a confirmé que Moïse Jean-Charles Chita, la chaise 15A, à destination de Port-au-Prince, avion en cap parti dans quelques minutes. Donc, je pensais que il y a un reporter de Radio Mega cap à l'aéroport et Maïgaté pour peut-être pouvoir prendre la main bouche Moïse Jean-Charles personnellement. Raison qui fait que c'est custom qui a comparé lui et que n'est pas passé même côté avec tout le monde et pour qui raison type de comportement ça custom vis-à-vis de l'ancien sénateur ou d'un monde qui est habitué aux États-Unis. En cas de Jacques, qui ça a fait? Parce qu'il n'a pas de déportation. Qui ça a fait aux États-Unis au déporté où? Il y a plusieurs raisons qui ont fait déporter aux États-Unis. Il y a un paquet de raisons. Ou qui a gagné une charge contre ou que, par exemple, ou qui doit voyager avec, bon, ou qui a fait un bagage ou une infraction, et puis, il y a peut-être nous venir, quoi, il y a là, que pour vous dire que son personnel non grata, par contre, nous ne pouvons pas connaître trop de détails. Parce que, tu as dit que c'est un agent américain hein, qui réellement, qui dit moi que vous faites venir avec l'ancien sénateur Maurice Jean-Charles, et il n'est pas passé dans le comptoir, il est passé par en bas avec lui, et puis il est monté escalier. On va parler d'escalier qui mettait exactement la porte d'avion. Hein. C'est pas en bas, il est passé avec lui. Il est accompagné de deux agents de custom. Accompagné de deux agents de custom et de l'immigration, et ont infraction, qui n'est pas correct. La custom, en principe, c'est peut-être ou bien la voyage avec une somme d'argent qui souligne, qui est assez volumineux comme ça, bah, on est, qui est une somme dépassée sans que la loi mande là, parce que la loi a dit que vous pouvez voyager avec 9999 dollars, ou pas qu'à voyager avec 10 000 dollars. Vous voyagez avec 10 000 dollars, ou commettre une faute. Donc, il n'y a plus de nom pour ça. Est-ce que c'est l'argent qui est dans la puisque l'IPAT aux États-Unis, c'est deux passages que le pays. Au Nigeria, Moïse. Oui, donc, il faut prendre l'immigration. C'est custom qui a comparé. Là, dit custom, n'en parlez pour le peuple à comprendre. Nous, mon capitaine de Haïti, ça, on doit comprendre. Custom, c'est l'argent douanier que le taille. C'est l'argent douanier que le taille. Donc, bon, bah, qui a un rapport avec la douane. Bon, là, il y a un rapport avec l'immigration, tout, puisque l'agent custom, en même temps, tout, il travaille en collaboration avec l'immigration, il travaille avec en collaboration avec ICE, qui c'est exactement l'agent qui a une autorité pour prendre, qui pour déporter. Là. Et ça, lui-même, tout, il dépend d'un jugement que il prend compte, et puis là, ça, il vient avec le jugement à la maison. Et puis, lui accompagne l'avion hein, jusqu'à ce que le porte-avion en ferme. Mais là, il accompagne pour que jusqu'à ce que le porte-avion en ferme, il est campé là avec eux. C'est que vous voulez assurer que vous pas déplacer et agent pas quitter porte-avion hein, jusqu'à ce que l'avion prend soit arrêt les pistes de, pour le voler. Hein. C'est, je laisse l'agent à déplacer. Il faut assurer que l'avion a volé avant l'avion. Adieu. Et si l'avion a tourné, il est obligé de relever pour faire le connaître. Jacques. Est-ce que Moïse Jean-Charles s'est matin en entrée sur le territoire des États-Unis, puisque des rumeurs disent que c'est depuis hier qu'il a arrêté, monsieur? Est-ce que nous courons de ça? Je pense que c'est nous en Haïti qui avons plus d'informations. Lorsqu'il y a un reporter Radio Méga allé à l'aéroport pour rencontrer le sénateur, pour peut-être poser le sénateur, qui charge contre lui, et pour quelle raison que c'est le custom qui accompagne l'avion. Donc, vous dites là, pour me quitter, allez, Jacques. Ça me besoin vérifier avec vous. Où dit Moïse, l'ichita en avion, nan chaise 15A. Mais est-ce qu'on au courant de vol là? Parce que qu'on vol, moi, il y a là, tout son vol AA819. C'est une minute. Retournez le moi parce que mes aéroports après les premiers là. Ah, mais t'as compris. Voilà, Jacques Cassayol, les amis, vous dites, avec lui, je tape garder ça. Puisque si aéroport après les Jacques, il faut au moins, non plus ou moins, garder qui ça, qui passe. Est-ce que nous avons continué à poser là? Vraiment, je ne peux pas parce que je suis obligé de respecter la pose là. Si je m'interromps, je suis capable, je suis obligé de continuer à prendre, puisque comme on dit, il faut respecter. Et c'est au même tout qui
Il faut un respect pour nous, ça va nous faire réciprocité. On continue avec pause là. Et puis depuis Jacques Pemsing, on a retourné Miami avec Jacques Casayol pour mal regarder effectivement ou bien exactement qui ça bagaille. Chaque jeudi soir, sorti 7h pour arriver 8h, RDNP casse rendez-vous avec vous dans Ticozé en bâtonnel. Ticozé en bâtonnel RDNP, c'est voix officielle partie. A Ticozé en bâtonnel, n'a main pour nous prendre destin nous en main, en main. Ou t'as aimé gagner une idée de tout ce qui est actualité à apprendre toute semaine? Ou t'as aimé comprendre tout le gros dossier qui a dominé cette politique-là? Panorama. Chaque samedi, Radio Méga a invité au suivre Panorama. Panorama, c'est une coquine chaîne émission débat. Côté tout acteur politique, a gagné pour yovin chita. Pour yo sa parler, discuter, dénoncer, défendre, répondre, critiquer et même proposer. Nan respect, youn pou lòt. Panorama, chaque samedi, 11h01 sur Radio Méga, un vrai débat sur Gros Radio. Du matin au soir. On reçoit chez soi. Radio Méga sur le 89.3 depuis les Caraïbes. Radio Méga. Tout Kaina au Caraïbes branché Radio Méga 89.3. La méga des radios. Mais sans pile Samo. Jacoula. Moi là, nous avons plus de détails qu'on est là, puisque l'avion a volé, et tu as comme dit que l'agent était jusqu'à ce que l'avion a volé. L'avion a volé exactement à 10h30, c'est vol 919 à destination de Maïgaté, qui sorti Miami International Airport. Et d'après dernière information que j'ai eu, il y a qu'un seul visa, monsieur, et monsieur était sous barrière les radars. L'heure du cours sous radar, c'est la même de cours sous surveillance que vous par contre. Où sont surveillance et c'est le radar, où sont surveillance que pas annoncé au quoi il y a suivi monsieur, il y a une longueur t'as suivi monsieur, et c'est sûr que il y aurait parcours monsieur avant de venir prendre l'avion là pour l'entrée en Haïti, et parcours monsieur a son parcours qui douteux, et des plusieurs paroles qu'a parlé, mais comme dit, puisque beaucoup parler avec un agent, beaucoup parler avec un monde de force de l'ordre qui a autorité pour dire raison qui fait que déporter monsieur et que monsieur pas parti, sinon déporter monsieur, c'est ça que agent dit et American Airlines que monsieur a un ordre de déportation et que il y a cancel visa monsieur tout et entre autres. By the way, monsieur pas un visa encore pour l'entrée aux États-Unis. Bon garder si m'ka résumer Jacques. C'est que Jean-Charles Moïse qui était de passage, mais qui était passé plusieurs côtés pour aller au Nigeria. Donc, agent et douanier américain, yo prend là, yo déporté, yo mette le nom avion American Airlines. Vol et chaise là, c'est 15A. Vol là, c'est 919 à destination de Haïti et li sous contrôle. C'est ça. Exactement, et il aurait évoqué tout après que ça a changé. Exactement, l'information, il aurait évoqué visa, monsieur, pour les États-Unis. Et l'heure du radar, ça veut dire que son monde qui est sur le déplacement net, son monde qui est sous contrôle, que peut-être il n'y a pas de connaître, quand il est sorti, il est du Nigeria, mais il est peut-être sur l'autre côté tout, d'après ça, il faut me comprendre. Il est sur l'autre côté tout, en dehors du côté que l'était dit que le bras Léo, mais il semblait de là être là, visiter un côté que il a suivi. C'est ça que j'aurais le radar. C'est à partir de là que il prend ordre de suspendre visa, monsieur, et de déporter, monsieur.
Très bien. En tout cas, m'espérer que est-ce que vous pensez ça qu'a fait le game de problème pour élection en Haïti comme candidat? Non, candidat élection pas faite aux États-Unis. Non, non, ma parle de relations. Relations, c'est pas parce que l'élection a fait aux États-Unis, mais on dit tête nous par rapport avec ça au carré prochain. Bon, aux États-Unis, en principe, là que peut-être ou gay un type de dossier pareil. Il n'y a pas besoin de trop appuyer, mais en même temps, il n'y a pas de aucun droit, et au cas d'illégal, que tu as dit, monsieur, que le PACA est candidat, ou soit que s'il passait, etc., mais ça qu'a privé, puisque je n'ai pas oublié que l'ancien sénateur Garcia de Delva s'est déporté et qu'il devienne candidat, et après ça, Lelvin passé comme sénateur, moi rencontré moi-même personnellement après ça à Washington. Je suis avec Washington après que j'ai déporté le voyage en France, j'étais sorti en France, et puis l'arrivée à Atlanta, j'ai déporté le voyage en Haïti. D'abord député, ensuite sénateur, et je l'ai rencontré parce que j'étais sandalé au visa et bon. Peut-être on visa et le courtoisie que débat monsieur, mais il était un comportement qui n'est pas correct aux États-Unis et puis on n'a pas renouvelé le visa. Donc qui fait le par exemple qu'il a retourné réellement aux États-Unis. Donc, ou dit si avion dérapé là à 10h30 là, de Miami à Haïti, c'est environ 45 minutes là. Non, environ midi. Ça dit Jacques. S'il quittait à 10h30, la privée en Haïti aux environs de midi moins quand midi. Midi, moins qu'à midi. En tout cas, merci un pile, Jacques. N'appelez mes contacts. Allez là. Voilà, Jacques Kassayol, les amis auditeurs. Avec lui, je vais regarder là de. Est-ce que je suis capable de dire déportation et Jean-Charles Moïse qui lui-même était bon selon toute information yo et dans voice dans vidéo il parlait tout c'est au Nigeria réalité est-ce que il était fait l'autre parcours nous pas connaît mais la nouvelle c'est que il est arrivé aux États-Unis c'est agent immigration et qui prend et yo jure sa déportation non vol chaise 15A 919 la privée en Haïti là 1044 Samo. D'ailleurs, environ midi moins 4, tant que Jacques se dit, la rivière en Haïti. Donc, Kounia, c'est chercher l'information qu'on a, qui s'abagalaye, tout bon vrai. Radio Mega, nous c'est gros bouton ton radio.